fais pas une valise si c'est chez toi. Ah ouais. Du 12 au 14 novembre, on va faire un karaoké dans un lieu magique. Dans un lieu magique. Ok. C'est ça? Ouais. On va dans un château faire un karaoké. C'est pas vraiment un château. Vous avez prévu au cas où si je dois rester encore allongée? Oui. C'est oui. Une très bonne idée. Je vous remercie avec les bulles. Oui. Salut les filles. C'est là où la vidéo commence. C'est là où la vidéo commence. Hein. J'avais oublié que t'avais ta caméra. Putain, j'ai ouais. On débute à l'aéroport. Avec un temps magnifique. Oh non. Allez Nono. C'est pour la bonne cause. Ilou, on fait ça parce que vraiment c'est pour toi. Hein. C'est vraiment. Hein. Ça y est, on y est. Vous êtes quelle place donc? Je veux pas être hublot moi. Moi j'ai hublot. Ouais vraiment. S'il y en a une qui est couloir, est-ce que vous pouvez prendre ma place hublot? T'aimes pas les hublots? Ah, je crains, ça me stresse. Ça va Jadou? Coucou Lou. Ouais, tu là-bas, ils ont dit qu'ils avaient. Ouais, ils sont trempés. C'est parti, on embarque dans le Corsica. On se prépare à rentrer et réveiller Ilona pour la mettre en paquet. On est dans un village, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Arrivée imminente. Ah ouais? Oui. Ouais. 9, 8, 7. Arrêtez! Je suis blessée! 7! Où on va? 4, 3, mais arrêtez! 2, 1, qu'est-ce que c'est? Tada! Oh! Ton cadeau d'anniversaire, la villa. Oui. Ah ouais, elle est à moi? Ouais. Ouais. C'est pour les week-ends. Les week-ends plus vieux. Ah, c'est super. Ah, ben alors, attendez. C'est bon? Allez, madame. Alors. Ah, ah, ma crampe est revenue. Attends. Voilà, ça, c'est l'envers du décor. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est beau! Putain, mais j'espère qu'elle est vraiment à moi! J'ai gonflé, mais à la base, j'étais gonflée. Il y a même un cadre de toi, les Polandais qui dansent. Grenard! C'est vrai que c'est doux en ce moment là! Regardez comme ils m'ont gonflé les ballons et tout! Waouh, c'est beau! Allez, ma fille! Ouais! 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 Wow! Non, mais c'est vrai que c'est cool avec la pluie!
Ouais. Je vous fais la visite guidée, mes chers amis. Tadam. Oh, il y a les petites serviettes. Oh, mais elle est belle, cette maison. Oui, elle est belle, hein. Elle est trop belle. Une petite douche. Arrivée à bon port. Vivante. C'est les sommes. Tu sais, j'ai peur un peu. La trottinette, elle rentre pas dans le coffre. Je crois pas qu'elle rentre. Je pense pas. Oh, Émeric, regarde-moi bien. Ah. Il fait pas beau, 8 degrés. Il vous pleut. C'est votre bordel. Non, mais c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, mais il en faut une. Il faut prendre une valise derrière. Putain. Non, mais lui, il a pas compris qu'on était 4 en fait. Ouais. Avec des valises. Ouais, ça fait. Ciel qui passe pas. Bah, il y a la place encore. Hein. Sinon. Je vais me casser les ongles avec ces conneries. Allez, Nono, c'est parti. Ah, oh, j'ai froid. Non, ah, mais je vais devoir reculer un peu, moi. Obligé. Hein. Vas-y, un tout. Attends, là, j'ai les pieds qui. Non, non, elle fait 2 mètres c'est bon, aussi. C'est bon ouais. Attends, je recule. La trottinette et la valise, on est bien là. Là, on est calé là. Attends, mais imagine, elle nous fonce dessus. Attends, j'ai c'est vraiment l'aventure. Ah, ouais. Attends. Au secours. Mais tu sais que je suis pas trop, mais attention, virage. Virage à gauche. Non, ouais, mais je l'ai vu de loin, tu sais que j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, j'ai un truc bizarre sur le bas-côté. C'est laquelle? Vas-y, dis-leur qu'on est là. Ah ouais, la maison, elle est incroyable par contre. Hein. Le code du portail? Ouais. Mais on va pas rentrer la voiture. Ah, attends, ouais, je sais pas, c'est quelle maison par contre? Ils ont dit quelle porte? C'est quoi la laisse là, non? Après, on la rentre. Sinon, on va nous voir en voiture. Allez, vas-y, on descend, les gars. Vas-y, attendez, juste, comment on fait? Ah, c'est bon. Attends, fermez les lumières, comment on fait là? Putain, traversez. Ah, c'est lui, tu t'en vas. Regardez, c'est le meilleur c'est tout. Allez, cherchez. Allez, c'est une surprise. Devant, dans le même espace. Le meilleur de ce qu'on était. Mais les gars, je ne capte rien, je suis à l'envol. Je capte ce genre de choses. Je pige rien, je suis à côté de la plaque. Mais en vrai, t'as cru que c'était qui? Mais je ne sais pas. J'ai dit, c'est vrai, les gens qui rentrent dans la maison. Le temps que je capte que vous aviez des masques de pierre et que du coup, on vous connaît, donc vous êtes volontairement là. C'est quand j'ai compris pierre, la musique, j'ai dit, bon, c'est prévu. Ça a l'air prévu. J'ai quand même dit dans la voiture que rien que la surprise. Oui, elle a dit, non, mais rien que la surprise, c'est bon. Mais elle a dit, on peut rentrer. Moi, ça se fait déjà bien, cette surprise, c'est déjà bien, tu vois. Mais jamais j'ai été surprise. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y a encore d'autres gens qui débarquent. Ah bon? Je te dis, vous étiez là, une fois, que je vous regarde. Mais non, que qui sont ces gens? C'est trop bien, là. C'est le week-end. Ça a tiré de pas. 48. Je suis à 48, non, j'ai pris 20 kilos. I need
moi. Je suis capable de te faire un grand écart, après venir te faire des tomates et de la viande hachée. Mais je dois faire quoi, Camille, en fait? Ouais, mais non, mais elle m'a dit de surveiller que ça crame pas, mais bon. Je sais pas ce que je fais. Fais semblant. Non, mais fais semblant, c'est normal. Excuse-moi, par contre, j'ai pas compris ce qu'elle a fait. Hein. Mange un peu, Ilo. La crème, celle-là. Bon appétit, Ilo. Merci. T'as l'air de te régaler, là. Mais ouais, sur le train, la viande, il y a... Non, elle mange pas. La sauce, les tomates et la viande hachée. Tu peux goûter, elle est vraiment bonne. Je pense que elle est vraiment bonne. Là, allez. Allez, là. Last one. Mais je fais quoi, là? T'es prête? Je fais quoi? Je fais rien, t'attends. Non. Je fais quoi? Ah! Mais c'est dangereux! J'ai toujours eu peur de ça! Qu'il y en ait un qui vienne se diriger! Oh, ils nous répondent! Excusez-moi, ouais. Non, mais ils ont répondu au fusil là, je pense. Oui! Ah, d'accord! Oui, ils ont répondu au fusil là! Hyper drôle. Ah, d'accord! Ils nous tirent dessus! Mais non, du coup! Putain, j'aimerais trop en on la laisse, on verra demain, hein, s'il en reste un, on le rentre. Oui, on verra demain. Ah, non, on touche pas ça maintenant! Ouais, voilà, on touche pas ça maintenant! C'est mieux de la nuit, c'est ma phobie ça! Ah, t'as pas kiffé? C'est vrai? Ah, j'ai adoré! C'est adoré! J'adore les feux d'un c'est vraiment pour la mûre! Non, mais parce que les jours, j'ai paniqué! J'adore les feux d'un drôle! C'est ma passion, mais quand on les fait là, je suis paniquée de la calée. Je sais pas pourquoi j'ai la phobie qu'il y en ait un qui se retourne. C'est alors déjà toi t'avais un toit au-dessus de la tête donc tu l'escalades. Oui. Bah, mais t'es vraiment court par contre. Mais, ouais, mais par contre il était beau. Il était hyper haut et tout. Mais je te jure tu me voyais pas. J'étais recroquevillée sur moi-même, je me chiais dessus en même temps. C'est beau mais ça fait peur. Mais tu connais ça? Ah putain, je savais pas. J'ai vu ça. Ça va, tu vas bien? Ça va, j'ai un peu des contractions. Je vois pas comment on peut faire encore des surprises. Oui, je suis pas dépitée. T'as pas bougé, hein? Juste, j'ai mal au ventre. La meuf a dit, je vois pas comment on peut faire encore des surprises. Elles sont arrivées à 19h15. Excuse-moi, on n'est pas en train de vous téléphoner, moi. J'ai ma mère qui me demande qui me pose des questions, je réponds. Putain, j'ai mal au ventre. Ah, je te jure, hier soir, ma belle, elle m'a tué de rire. Je fais fou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis mal, j'ai une contraction. Mais. Pardon! Pardon! Ah non, je suis pas prête à ça. J'ai dit non, mais je vais pas coucher. J'ai juste les contractions. Ah, j'ai cru qu'il fallait pas. Elle, elle a dit ouais, je vais dans la chambre. Je vais dans la chambre. Allez, casse-toi. Rentre chez toi. Je vais dans la chambre. Oh, ça tombait bien, je faisais une petite sieste. Non, je sais pas. Vite, hein. Ouais, on va faire. Ciao. Ciao, Bella. T'es pas vrai. Quelqu'un met la musique sur la base, la met là comme ça, en vrai. Ouais, c'est armé. Est-ce qu'elle doit s'habiller avec la tenue beige? Non, pas non, du tout. Non, pas du tout. Là, c'est un calme. Non, pas du tout, là, tu dors. Ouais, je dors. Juste, bah, venez, je veux gagner une place. Voilà. Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night. And I think you're rewiring my mind. Première activité. Première activité. Bon, on a on te présente Annabelle. Bonjour. Qui va s'occuper de toi. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour. Enchantée. Je suis ici pour vous masser. Attends, ouais. C'est pas vrai. C'est la meilleure nouvelle de la journée. J'ai mal au ventre. Ah trop bien. Et il faut que je me mette comment là? En culotte. En culotte. Ça, ça va être génial. Ça va te détendre. Quelle bonne idée. Putain, mais je leur ai demandé si je pouvais aller me laver. J'aurais dû aller me laver. Je me suis même pas brossé les dents. Pauvre.
Pas qu'elle trop qu'elle s'approche de mon visage. Hein. Pour faire un massage à poil, je suis pas lavée. J'avais honte. Heureusement que je me suis rasée il y a quelques jours, à l'aveugle d'ailleurs. Si tu vois plus ta moulin, tu rases à l'aveugle. Du coup, j'ai appelé Paul André, j'ai dit, tu peux me raser? Il m'a dit, mais j'avais la vie. Il s'est barré. Baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Oh. Il ressent tout. Dès que c'est fou, mais c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il fait le même mouvement que vous. Il suit. Mais je vous jure, c'est moi qui hallucine. Génial. Et quand vous montez comme ça dans le dos, il appuie comme ça sur mon ventre devant. You're like a light storm, a light storm. Incroyable. Tu boudinais. Je suis rentrée, elle était comme ça. Non mais c'était incroyable. Elle avait du jambes. Je l'ai refait, hein. Bon là je dois me laver les cheveux. Laura va me faire un brushing. Je sors pas de la maison. Non. C'est bon, alors je veux bien le faire. Incroyable! Tiens, mais c'est trop beau! Ça, c'est une Ajax Shane qui te les a fait. Le gâteau, il est même trop mignon! C'est Maison Piat, le gâteau. Arrête! Oh, ben merci beaucoup, Maison Piat. Mes préférés. Oui, et les fraises. Il y a les fraises. Oh, j'avais même pas. Oh là là, des fraises au chocolat! Attendez! Mais c'est trop beau, ça fait trop bien! Regarde, il a fait des petites tenues. Mais oui! Mais c'est trop bien, putain! Merci beaucoup à tout le monde! C'est incroyable. Mais en plus, je voulais pas du tout faire une baby shower. En fait, c'est une très bonne idée. Ah ben oui, hein, c'est que je voulais pas. Hein, c'est pas à toi de l'organiser, la baby shower. Ah ouais. Mais bah non, c'est à nous. C'est à la marée. J'avais faim en plus. Mais on fait tous une photo là. Ah ouais, on fait tous une photo. Allez. Mais au pire, ça soit en tailleur. Allez, 10 secondes. Doucement. Ah ben voilà. Voilà. Ah, merci beaucoup en fait pour la nourriture. Ça va, vous voulez savoir comment j'ai pissé ce matin? Bah, écoute, si c'était long, bah, ta mycose, j'imagine que c'était douloureux. Eh ben non, je l'ai plus en bas, c'est dans la bouche. Excuse-moi, tu vas pas mettre ça. Hein. Carrément, vas-y, si pose. Déjà que j'ai pas trop de rapport. Ça va, c'est un concept. Première activité. Mais il y en a plein. Pour toutes les personnes qui correspondent à ces photos. Tu as même dit que tu ressembles à Javotte. Non, mais pas de cadeau, je pas de non. Ah, c'est pas dur, ça, c'est facile. Ouais, moi je sais. Moi je pense que c'est Margot. Ah ouais, c'est incroyable.
Arrête, j'ai fait la même tête, mais dis. C'est Jade. Non. Attendez, tu reviens plus tard. Attendez. Oh, pire, elle y revient plus tard. Attends, fais voir. Mais ça se voit qu'il fait vrai. Bah oui. Il y a le voisin, elle a pris une photo du voisin. C'est clair, ça se voit. C'est loup. Réfléchis, Lilo. Bon, j'ai les yeux bleus, moi. C'est vrai qu'il y a les yeux bleus. Personne n'a les yeux bleus. Enfin. C'est quand même. C'est ça, non? Je sais pas, j'ai les yeux bleus, mon bas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est toi, Maloué? Bah oui, j'ai les yeux bleus, père. Frère, elle a les yeux bleus, Nono. Attends, c'est impossible de pas trouver. Mais enfin, ouais, on l'a dit de suite, nous. C'est vrai. Droit d'erreur. Ça, c'est Mélodie. Ouais, Mélodie, je la connais sa tronche parce que sa nièce, elle a la merde. Oh putain, ça. Réfléchis. On voit un kiki là ou quoi? Est-ce qu'il y en a qu'un qui a un kiki ici? Enfin, de ce que je sais. Ça va. Je reviens après. Bah, il te fait faire un truc. Je suis nulle. Je ne reconnais pas les gens adultes. Tu me fais reconnaître les gens. Ça, c'est Jade. C'est simple. Bah oui. Oui, merci quand même. La même tête. Oh putain, mais. Excusez-moi, mais je suis nulle. Ouais, là, c'est assez simple. Ça grave. Ouais, ça, c'est simple. Ah bon? Non, mais parce que vous savez. Mais non, c'est pas en vrai. Franchement, non. C'est pas du tout. C'est toi, Lou? Ah. Toi, Lou? Mais ça, c'est incroyable. Mais oui. Ça, c'est Pélène. Ben, c'est la même gueule. Elle a la même tête. Mais Pélène, t'es rigolote. Elle a la même tête. T'étais plus bébé. Non, je regarde. Oh la tête. Comme ça. Du coup, c'est Emery. Oui, mais à vous, ça aurait pu être Lou à côté. Ben oui. Excusez-moi, je savais pas qui. Ben ouais. C'est toi, Emery. Emery, t'étais mignon aussi. Tu te prenais un peu. T'es éclaté. Il avait la tête comme ça. Et ça, du coup, il manque qui? Non, mais qui c'est? C'est toi, Laura? C'est moi qui t'ai envoyé. Hein? J'ai toujours. Par contre, toi, tu te ressembles pas. Ah, mais vraiment, tu te ressembles pas du tout. C'est la seule à avoir donné une photo nue, encore une fois. Hein. Qui connaît le mieux la future maman? Oui. Et qui connaît le mieux les futurs parents? Ben, qui connaît le mieux les futurs parents? Allez. Où était leur premier baiser? À l'annexe. À l'Éden. C'était à Calvi. C'était à Calvi. Deuxième question. Hein? Ouais. Calvi, depuis combien de temps sont-ils en couple? 2021. 3 ans. J'ai marqué beaucoup trop longtemps, mon goût. 2021, le vrai temps, 2021. 3 ans. J'ai raison. C'est 15 mai 2022. Mais c'est 2022, l'officiel sur Insta. Mais on s'est mis ensemble en novembre 2021. Quelle est leur nourriture préférée? Viande et pâtes. Magret pâtes. Pâté sec. Pâté sec. Magret pâtes. Qui a mis ça, pâté sec? Magret pâtes. Je pense qu'il est le plus émotif. Ilona. Quels sont leurs deuxièmes prénoms? Prisca pour Ilona. Ouais, moi j'ai Prisca et Joseph. Elle a Marie, elle, non? Toi, tu vas rire, le deuxième prénom. C'est Joseph? Moi j'ai mis Joseph. T'as Prisca, oui. Vas-y. Théo. Moi j'ai 0,5, j'ai mis Prisca. Ah oui, t'en as eu un. Qui a dit je t'aime en premier? Ilo. Oui, c'est ça. C'est la question fatidique. Quelle est leur date d'anniversaire de rencontre? Ouais. 2018. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2016. Et quand on s'est mis ensemble, on a dit 2021. Qu'est-ce qu'il a mis? Allez, quel est le chanteur au groupe préféré? J'ai mis Coco. Quand tu t'habites, donc. Et pour toi, j'ai mis Pierre. Non, mais moi j'ai mis Pierre pour le coup. Qui dépense le plus d'argent, c'est pas dur? Ilona. Ilona, exactement. Il a dit ça? Non, moi je dis Paul André. Il a dit ça? Ben non, mais nous on dit Ilona. Ben c'est un mythomane. Moi je dis Paul André. Moi j'ai marqué Paul André. C'est pas l'André qui dépense. J'ai mis moi sur la feuille. Mais voilà. En réalité, c'est lui. C'est lui qui dépense. En vrai, de vrai, moi. Combien d'enfants veulent-ils? Et là, il faut séparer. Il en a deux. Polo 3. Ouais, moi aussi, j'ai marqué ça. Bah oui, il en a deux, Polo 3. Mais en plus, on en a parlé hier. Où sera leur ligne de miel? Aux Seychelles. Qui est le meilleur cuisinier? Ilona. Et il a répondu Ilona, même si je suis un crâne. 1, 2, 3. Quelle est sa plus grande phobie? Fond marin. Les oiseaux. Les pigeons. Eh ben, j'ai mis pigeon et mer. Bah, on a gagné. Si vous avez un des deux, vous avez un point. Moi, j'ai mis les fonds marins et les pieds. De naissance 21 septembre 95. 26. C'est le 25. Ah, il y en a pas un qui l'a? 6 mois. Bravo, merci Margot. Vous avez marqué 25 après 26. Ah bah non, t'as dit 26. Il y en a personne qui avait mal à donner. Oui, mais tout le monde a cru que c'était le 26, c'est ça le problème. T'es sûr que t'es pas né le 26? Moi j'ai 96. C'est la couleur préférée. Moi j'ai le beige. Beige. Oui, voilà, tu vois, tu m'as dit non, ça compte pas. Ah oui, toi tu m'as dit non. Camille, c'est Mélo, c'est Camille. Quelle célébrité craque-t-elle? Michael. Moi j'ai mis Nekfeu. Ah, c'est vrai.
Ah, PLK, my love, j'ai pas mis PLK. 6. Jade. Ouais, 6 aussi. Six. Shifumi. Non, mais je lui donne un... Ah, un cadeau chacun. Non, je donne un cadeau chacun aussi. Shifumi. Un pour moi. Shifumi. Ah, un pour toi. Shifumi. Deux. Oh, putain. Shifumi. Ah, la gueule. Oh, putain. Bravo. Bravo, Jade. Là, c'est lui, tu vois. Ah, ouais. Qui sort et qu'elle arrive. Ouais, non, mais là, il a mis un coup. Et encore, c'est pas le plus gros. Punaise. Salut, toi. Non, mais par contre, je vais crever. Elle a le pantalon qui est monté jusqu'au. Je suis un peu plus. Il m'a défait la Regardez, les chevilles. Bah, tu vois bien qu'il m'a pas trop gros, il rentre dans la chatte. Ben non, c'est pas grave, voilà. Mais en même temps, on voit que ça chatte. Bon, oui, bah, ça va, n'abuse pas. Dans le truc. Ouais, essayez, non. Non, moi je dirais j'ai un chou-fleur. T'as mis dans le chat. J'ai envie, voilà, j'ai plus de rapport, je fais ce que je veux. Je comprends pas. Moi j'adore. Bah oui, voilà, mon seul plaisir de la journée. De toute façon, tu dois couper tellement de moments. Ouais, mais de toi, non. Ah si, la mycose, t'es obligée. Pourquoi? Parce que c'est. J'ai pas envie que la France entière sache que j'ai une mycose en fait. Peut-être que t'en avais plus. Non, j'en ai plus, mais bon, j'ai pas envie qu'ils sachent. C'est à cause d'un antibio. Mais bon, j'ai besoin que les gens sachent. Pour t'expliquer l'histoire. Tu as fait quoi pour avoir une mycose dans la bouche? Eh ben, j'ai fait une sinusite. J'ai pris un gros traitement. Sauf que les antibiotiques, ils m'avaient pas donné un truc pour protéger, ça m'a fait une mycose en bas. Et la mycose en bas, j'ai dû la traiter avec un antibiotique qui m'a donné du coup une mycose à la bouche. Les cachetons, c'est pas pour moi. Quand tu dis que t'es possédé, c'est que tu dis que t'as le diable en toi. Donc il y a le diable qui te contrôle. Il prend des voix d'homme, il te fait faire des trucs, il te donne des puissances spéciales. Mais ça, c'est toutes les caractéristiques de la schizophrénie aussi. Donc ça dépend si t'es scientifique ou croyant. Oui, mais scientifique ou croyant, il faut aller se faire soigner. Il faut aller chez un psychologue. Mais non, tu te fais pas soigner par la même personne. Et ça dépend comment tu le vois, toi. Si t'es croyant et que tu crois en la religion, tu crois donc au diable, et donc tu vas penser que la personne est schizo et possédée par le diable. Mais si tu n'es pas croyant et que tu ne crois pas en ça et que tu crois en la science, tu vas penser que la personne est schizophrène. C'est deux traitements différents, c'est deux façons de voir les choses différentes. Et s'il faut, les deux existent. Oui. S'il faut, il n'y a que des malades ou il n'y a que des gens possédés, on ne sait pas, en fait. Moi, je crois aux deux. Ok. Je peux pas te dire, mais c'est les mêmes symptômes, entre guillemets. Mais non, c'est pas, tu fermes les yeux. Non, mais je vais. Et tant qu'elle a pas les yeux, on voit pas. Ah, t'as mis la fille. Tant qu'elle a pas les yeux, j'ai pas de plaisir. Lou, je comprends pas pourquoi t'as rigolé à ma blague si tu avais les yeux fermés. Quelle blague? Mais toi, tu peux la mettre. Mais je vais la voir. Non, mais j'ai mis le papier. Qu'est-ce que c'est? Mais on doit pas avoir la même chose. Non, ça fait 3 jours on rigole de ça au bout d'un moment. Hein. Ce qui est bien, c'est que la mycose de Laura partie intégrante du week-end. Ouais. C'est clair. Bah, c'est froid, mais c'est pas mal. Ah putain, je connais. Hein. Oui. J'ai passé de la mycose avec ce goût. Attends, j'ai mis beaucoup là, putain, vas-y, c'est pas grave. Laura, elle a dit une petite information. On m'a pété. Elle a l'impression qu'on lui a pété dans la bouche. Moi, je préfère froid que chaud. Le premier, ah, c'était quoi? Mangue. Ouais. Ensuite, la deux. Pêche quoi? Pêche. Ah, c'est ça, j'avais mis petit pois au 4 et j'ai descendu petit pois au 5 parce que j'ai compris que c'est brocoli, le dernier. Pomme de terre, brocoli, non? Oui, fleur. Ouais. Ouais. Mais elle, les mange toute la journée. J'ai qu'un faux, moi. Moi, j'ai un juste. C'est moi qui ai gagné, du coup. Non, elle aussi, elle veut dire des coups. Toi, t'es chiant, toi. T'as les 6 points, toi? Mais ouais. Mais non, le poids. Ah non, mais j'ai eu 2 points à... Mais attends, mais c'est pas grave, on a gagné. Quelle tricheuse! C'est une tricheuse! C'est une tricheuse! Vous avez 2 points, moi. C'est toi qui as gagné. Du coup, c'est Laura qui a gagné. Laura, bravo! Bravo, c'est vrai que c'était une bonne activité, les petits points. J'adore. Bonne idée. C'était rigolo, cette activité. Mais par contre, excusez-moi, mais je vais les faire moi-même, les pots, parce que c'est dégueulasse. Oui. Avec Emric, Nolwenn et Margot, on s'envoie des mots et on doit les placer. C'est pour ça qu'on tire des mots, quoi, depuis tout à l'heure. Les placer dans les phrases.
Ça doit être très loin de la confiture. Mais sur rasé le cul, j'ai un poil incarné, je crois. Non, mais c'est pas le cas. Au cul. Mais non, mais j'ai une petite boule. Qu'est-ce que j'aimerais manger aussi un gratin de quinoa. Ah ouais? Maintenant? Maintenant. Moi, franchement, il ferait chaud là, je ferais un saut dans la piscine. Ah ouais? Je te jure. Voilà ici. Ouais. Oh, non, mais c'est bien. Pas de chamallow? Ah ouais? Ice, ça fait penser à la glace. Mais grave. Ouais, mais chamallow, il y en a pas? Ouais. Mais il n'y a pas une pub avec les eaux scolaires dans la pub là ici. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et du coup, tu veux aller ici ou pas? Non, c'est parce que ça m'a fait penser aux ours polaires. Mais ah, mais vous êtes sérieux? Mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi tu... Mais il n'y a pas de chamallow. Tu voulais un gratin de finot? Mais rigole. Là, j'ai envie de chamallow. On fait un gros ping-pong. Oh, mais il est dingue lui aussi, il est dingue ma parole, excusez-moi. Ah, mais avec toi? Oui, il y a avec un ping-pong dans le jardin sac. Et c'est dans les chez les voisins qu'on a chez les voisins. Ah, pourquoi je croyais qu'il était dans le jardin? Pourquoi je l'ai... Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils... Est-ce que c'est moi qui hallucine là ou... Non, non, on est dingue. Mais position 1, 2, position 1, 2, c'est beau ça. Tu veux le café? Manque de fraîche. C'est pas de l'air synthétique au moins. C'est des fossiles. Je voudrais faire un jeu avec un tableau. Hein? Ouais, ça va rapporter un tableau. Mais tu vas voir quand je vais le démaquiller. J'aimerais bien jouer à la putain, c'est des lentilles, on dirait des parasols. On dirait des parasols. C'est tellement qu'ils sont longs. Non, tu as des lentilles, on dirait des parasols. C'est pas vrai, non. C'est super bien, on dirait des balais à chiottes. Les claquettes en requin, tu les vois quoi? Excuse-moi, j'achète pas ça. Pourquoi? C'est quoi les claquettes en requin? Fais voir. Bah si, elle est comme des requins. Ah non. Ah non, elle est... Non, t'achètes pas ça. Non. Ouais, non, bah, ça se fait. Mais tu sais, tu te mets sur les câbles électriques, ça peut faire un télésiège. Bah oui. Tu sais ce qu'il fait ce soir? Voilà. Ah ouais? Une tyrolienne. Ouais, mais rigole. Ça fait 9. Non, la tyrolienne. Un 9. Y'a aucune conversation qui est venue. Pour une petite sauce tomate très rapide, et pour que ce soit bon, vous achetez de la sauce tomate classique. Vous rajoutez tomates fraîches, huile d'olive, ail, basilic, piment, poivre, sel. Au moins, c'est un truc en 2 secondes et c'est très bon. Il y a tout ce qu'il faut à boire à table. Il n'y a que de l'eau. Non, mais là, pour 5 personnes, c'est un paquet entier et la moitié dedans. Donc, ouais. Avec quoi? Tu nous as fait le pain, Camille, ou pas? Tu veux un truc? Je m'en fous. Bah, viens, ouais, je suis pas là. On dirait, tu sais, dans le meuf de la cantine, tu sais. Ouais. Mmh. Bon appétit! Ça suffit, quand ça suffit. Pas la sauce, c'est la purée de. Bon appétit! Merci pour ce week-end, c'était super bien. Bravo!